Bonsoir, Massa El Khair. Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et ministre des Affaires culturelles par intérim, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général de l'Alexo, madame Nivine Khaled, directeur général. directrice de la francophonie et directrice de la langue française et de la diversité culturelle, je m'excuse. Chers amis de la francophonie et de l'Alexo, je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour la remise du prix Ibn Khaldoun Senghor. أرحب بكم هذا المساء للاحتفاء بجائزة تقليد الفائز بجائزة ابن خلدون سنغور. Je me présente donc à vous. Je suis Hana Sobhi, universitaire et également lauréate du prix Ibn Khaldoun Senghor 2014 et membre du prix de ce même prix, membre du jury de ce même prix, pardon. Le prix Ibn Khaldoun Léopold Sédar Senghor de traduction du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français a été créé en 2007 pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et pour encourager toute forme d'échange culturel entre les mondes arabophones et francophones. أنشئت جائزة ابن خلدون ليوبولد سيدار سنغور للترجمة من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية عام 2007 لتعزيز التنوع الثقافي بين العالم العربي والعالم الفرنكفوني. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter à la tribune Monsieur le directeur général de l'Alexo, le professeur Mohamed Wild Ammar. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Bonsoir tout le monde. معالي السيد الحبيب عمار وزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة. معالي الدكتور محمد صالح بن عيسى الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس. أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي. سعادة السيدة نيفين خالد مديرة اللغة الفرنسية والتنوع الثقافات الفرنكفونية في المنظمة الدولية للفرنكفونية ممثل سعادة السيدة لويز مشكوبو الأمينة العامة للفرنكفونية سيدات والسادة العلماء أعضاء لجنة التحكيم سيدات والسادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux, Monsieur Habib Ammar, ministre du Tourisme et des Affaires culturelles par intérim, Excellence, membre du corps diplomatique accrédité en Tunisie, Son Excellence Madame Nivine Khaled, directrice de la langue française et de la diversité culturelle à l'Organisation internationale de la francophonie et représentante de Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers publics, bonsoir. في إطار ما دأبت عليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من سعي متواصل إلى تشجيع التقارب الفكري الدولي ورفع راية التثاقف الحضاري الكوني الذي تمثل عملية الترجمة لونا من ألوانه ومسلكا معرفيا مفضيا إليه وبالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكفونية بما تنفتح عليه من فضاءات شاسعة ثرية بحضاراتها وثقافاتها نحتفل اليوم معكم بالدورة الرابعة عشرة من جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة. Notre prestigieuse organisation, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, a depuis de longues années déployé ses efforts
en vue de promouvoir le rapprochement intellectuel à l'échelle internationale et contribuer à l'édification de la civilisation universelle, où la traduction constitue un des piliers et une des voies de la connaissance. C'est en coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec ses vastes espaces riches et ses civilisations, ses cultures, que nous célébrons aujourd'hui avec vous la 14e édition du prix de traduction Ibn Khaldun Senghor de littérature, des sciences humaines et sociales. وجائزة ابن خلدون سنغور هي كما تعلمون جائزة تعنى بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية أقرتها كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والمنظمة الدولية الفرنكفونية أولاً باعتبار الترجمة سبيلاً إلى التحاور والتفاهم والتعايش والبناء المشترك بين الأمم والشعوب وعاملا من عوامل تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على الحضارات ودعم التعاون العربي الدولي وثانيا باعتبارها سبيلا إلى تشجيع المترجمين وتحفيزهم لتعزيز التنوع الثقافي واللغوي من أجل الإثراء المتبادل للثقافتين العربية والفرنكفونية وقد اهتمت الجائزة منذ انطلاقها سنة 2007 بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وارتأى الشريكان المتعهدان بالجائزة منذ دورة 2018 توسيع مجالاتها وإضافة أجناس جديدة كالشعر والرواية إضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية. Le prix Ibn Khaldun Senghor est, comme vous le savez, un prix pour la traduction en arabe et en français d'œuvres littéraires, scientifiques, en sciences humaines et sociales. Approuvé par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, ALEXO, et l'Organisation internationale de la francophonie. Premièrement, parce que la traduction est une voie vers le dialogue, la compréhension, la coexistence et l'édification commune entre les nations et les peuples, et un facteur de promotion des échanges culturels, d'ouverture aux civilisations et de soutien à la coopération internationale arabe. Et, deuxièmement, c'est un moyen d'encourager et de motiver les traducteurs à promouvoir la diversité culturelle et linguistique afin d'enrichir mutuellement les deux cultures, arabe et francophone. Depuis sa création en 2007, le prix s'intéresse aux sciences humaines et sociales. Et depuis la session de 2018, les deux partenaires ont décidé de l'élargir à des domaines en ajoutant de nouveaux genres tels que la poésie et le roman en plus des sciences humaines et sociales. وإذا كانت الترجمة في ذاتها وجهاً من وجوه التحاور والتلاقح والتبادل الثقافي والتقارب الحضاري فإنما توجهت إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو من عناية بترجمة الأدب والرواية يعود إلى أن الحوار الحضاري الفكري يجري في عالم الأدب والرواية بطرق فنية رائقة راقية تصقل الذهن وترسخ الملكة اللغوية الصافية بطريقة التشرب وتغرس في القارئ التنوع الفكري والقيم الإنسانية السامية دون تلقين أو إملاء. Si la traduction elle-même est l'un des visages du dialogue, de la convergence, de l'échange culturel et du rapprochement des civilisations, l'attention portée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences à la traduction de la littérature et du roman revient au fait que le dialogue civilisationnel et intellectuel a lieu dans le monde de la littérature et du roman par des styles artistiques élégants qui raffinent l'esprit et affermissent la maîtrise d'une langue pure qui enracine chez le lecteur la diversité intellectuelle et les nobles valeurs humaines sans inculcation ni dictée. الرابعة عشرة وتتمثل في إجماع اللجنة العلمية الموقرة على إسناد الجائزة إلى أستاذ الأدب العربي المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارسيليا الفرنسي الجنسية الأستاذ ريشارد جاكمون لترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية رواية في أثر عنايات الزيات للكاتبة المصرية إيمان مرسال التي صدرت عن الترجمة عن دار السندباد Actsid, France 2021. J'ai le plaisir, au nom des deux organisations,
après avoir pris connaissance des attendus des honorables membres du jury, d'annoncer le résultat de la 14e session, décision prise à l'unanimité du jury, l'attribution du prix au professeur de littérature arabe contemporaine à la Faculté des Arts et des Sciences humaines de Marseille et de nationalité française, le professeur Richard Jacquemont, pour sa traduction de l'arabe vers le français du roman Sur les traces d'Inaït Azayet de l'écrivain égyptienne Imen Mersal, traduction publiée par Sinbad Actes Sud France en 2021. رائعة من رواعي الأدب تجري أحداثها في شكل تحقيق ويمثل النص فيها نصا سرديا فنيا متميزا يمزج بين الأحداث التاريخية يمزج بين الأحداث التاريخيين تاريخين الجماعي والفردي في نوع من إعادة القراءة لمصر في زمن الناصرية وتعد هذه الرواية وثيقة تاريخية قيمة سيستفيد منها الباحثون للتعمق في دراسة التاريخ السياسي الاجتماعي في مرحلة مهمة من مراحل التأسيس والبناء في مصر بعد الاستقلال وتشتمل الرواية على وقائع تتأرجح بين الظواهر المرجعية والسمات التخيلية مما أسهم في ترسيخ بلاغتها السردية والأدبية وقد نجح المترجم الأديب الأريب من جهتي في نقل الرواية إلى اللغة الفرنسية نقلا سرديا رائعا أخذ في الاعتبار أسلوب الخطاب وأطرها النصية الزمانية والمكانية وخلفياته الثقافية والحضارية وتمكن من إدراك لطائف الإبداع في النص الأصلي واستغلال الفروق الدقيقة للغة العربية لينقل إلينا المعاني المضمنة في الأقوال وما يفهم من وراء الكلمات والسطور والأحداث. Dans son texte arabe original est un chef-d'œuvre littéraire qui se déroule sous la forme d'une enquête où le texte représente une narration artistique distincte qui mêle les événements de deux histoires collectives et individuelles dans une sorte de relecture de l'Égypte de l'époque du nasserisme. Ce roman est un document historique dont les chercheurs bénéficieront pour approfondir l'étude de l'histoire politique sociale à un stade important de la fondation et de l'édification de l'Égypte après l'indépendance. Le roman contient des faits qui oscillent entre les phénomènes de référence et les caractéristiques de la fiction, ce qui a contribué à la consolidation de son éloquence narrative et littéraire spécifique. Pour sa part, le traducteur, homme de lettres ingénieux, a réussi à traduire le roman en français dans un récit fascinant qui a pris en compte le style du discours et ses cadres textuels, temporels et spatiaux, et ses contextes culturels et civilisationnels. Il a pu cerner les subtilités de la créativité dans le texte original, exploiter les nuances fines de la langue arabe pour nous transmettre les significations comprises dans les paroles et ce qui est compris derrière les mots, entre les lignes et dans les événements. فهنيئاً للأستاذ ريشارد جاكمون وهنيئا للروائية الكبيرة السيدة إيمان مرسال على نصها السردي الرائع وهنيئا للأدبين العربي والفرنسي بهذا اللقاء السردي الفني الموفق والشكر موصول للسادة العلماء الأساتذة أعضاء لجنة التحكيم المحترمة على ما بذلوه من جهود لقراءة الأعمال المرشحة للجائزة هذا ونود بهذه المناسبة السعيدة استباق الأحداث لنهنئ شريكنا في هذه الجائزة وفي هذا الاحتفال المنظمة الدولية للفرنكفونية بالذكرى 50 لإنشاء مؤسسة الفرنكفونية التي ستحتفل بها خلال قمتها 18 في تونس أرض اللقاء بمدينة جربة يومي 20 و21 نوفمبر القادم. Vont au professeur de littérature arabe contemporaine, le traducteur et homme de lettres Richard Jacquemont, et à la grande romancière Iman Mersal pour son grand texte narratif, ainsi qu'à la littérature arabe et française pour cette rencontre narrative artistique réussie. Nos remerciements vont aussi aux professeurs membres du jury pour leurs efforts de lecture des œuvres nominées pour le prix. Cette heureuse occasion n'est qu'une anticipation des événements pour féliciter notre partenaire dans ce prix et dans cette célébration, l'Organisation internationale de la francophonie, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de la Fondation de la francophonie,
qui sera célébré lors de son 18e sommet, qui se tiendra en Tunisie, terre des rencontres, et plus exactement à Djerba, les 20 et 21 novembre prochains. سيدات والسادة نرجو أن تتجدد اللقاءات الثقافية والعلمية في رحاب هذا المعلم الثقافي العربي العتيد الفخور بحضوركم الكريم والحريص على أن يظل رافدا سخيا من روافد المعارف المتبادلة بين الأمم والشعوب والقيم السامية المتفاعلة بين مختلف الحضارات الإنسانية وفي أرحب الفضاءات الكونية وأكثرها تثاقفا وتحاببا وتضامنا وتعاونا وأمنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et messieurs, nous espérons que ces rencontres culturelles et scientifiques se renouvelleront dans ce prestigieux monument, rehaussé par votre honorable présence. Nous veillerons à ce qu'il demeure avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, ses différents partenaires, un affluent généreux de la connaissance mutuelle intégrée et croisée, des valeurs nobles qui interagissent entre les différentes civilisations humaines et dans les espaces les plus beaux, aimants, solidaires, de coopération et de sécurité. Merci de votre attention. Et maintenant, la parole revient à Madame Nivine Khaled, directrice de la langue française et diversité des cultures francophones à l'Organisation internationale de la francophonie. Madame Khaled. معالي الوزير السيد مدير عام منظمة الألكسو Mesdames et Messieurs les ambassadeurs Madame la Présidente de l'Institut français Chers membres du jury Ibn Khaldoun Senghor, Madame la Commissaire Générale des États Généraux du Livre en langue française, je tiens au nom de Madame Louise Mouchikiwabo, Secrétaire Générale de la Francophonie, à vous saluer tous chaleureusement, les personnes qui sont ici en présentiel, mais également ceux qui nous suivent à travers les écrans. Mes remerciements les plus vifs vont à la Tunisie, Monsieur le Ministre, ce pays qui nous accueille si bien aujourd'hui, ce pays qui est également la mère patrie d'un des quatre fondateurs de la francophonie institutionnelle, Habib Bourguiba. Ce pays qui est également le pays qui accueillera maintenant, dans quelques semaines, le prochain sommet de la francophonie, le 18e sommet de la francophonie qui se tiendra les 20 et 21 novembre prochains. Remercier également notre partenaire, l'Alexo, avec à sa tête Monsieur le Directeur Général, Shokri Gazil Hadretak, Assayed Moudir, Monazamet Alexo, على التعاون المثمر وعلى العمل الجاد اللي احنا بنعتز به داخل منظمة الفرنكوفونية. Remercier également chaleureusement les états généraux du livre avec à leur tête leur commissaire Sylvie Marsay et avec l'opérateur qu'est l'Institut français d'avoir bien voulu héberger, accueillir, cette remise du prix qui, comme vous l'aurez compris, va tout à fait dans les orientations des états généraux du livre. Notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est présente sur les cinq continents avec un partage, une langue, la langue française, compte également parmi ses membres de nombreux pays arabes. C'est d'ailleurs ce qui explique la collaboration intense que nous avons et auquel nous tenons avec l'Alexo. Aujourd'hui, nous célébrons la traduction, ce vecteur de compréhension, de cohésion entre les mondes francophones et arabophones, malgré et au-delà de toutes les différences, aussi bien linguistiques que culturelles. Comme Monsieur le Directeur Général l'a expliqué, ce prix est né en 2007, initialement pour récompenser la traduction d'un ouvrage en sciences humaines, et puis il a connu en 2018 une ouverture vers la littérature au sens plus large. Et à travers cette distinction, nous voulons à la fois stimuler l'intérêt pour la traduction et la compréhension d'une langue autre, mais aussi permettre et valoriser la circulation des œuvres traduites d'un espace linguistique
à un autre. Dans ce monde que nous vivons et où les stéréotypes, les préjugés, les radicalismes, les extrémismes sont de plus en plus nombreux, nos deux organisations ont un rôle à jouer ensemble pour permettre ce que nous appelons si joliment le vivre ensemble ou encore le dialogue des cultures. Et vous comprendrez, mesdames et messieurs, que la traduction est un outil pour justement pouvoir assurer ce dialogue des cultures, comme d'ailleurs nous avons pu l'entendre tout au long des interventions des États généraux du livre aujourd'hui même. L'OIF et l'Alexo sont donc engagés dans ce processus de médiation. Et ensemble, comme partenaires, nous avons pensé et monté une séquence au service de la traduction. Nous avons pensé lier le prix Ibn Khaldoun Senghor à un autre prix qui nous est cher, le prix des 5 continents de la francophonie. En effet, grâce à 2 lauréats du prix Ibn Khaldoun Senghor de l'année passée, nous avons pu traduire, nous allons vous offrir la traduction en arabe des extraits de l'œuvre de notre lauréate du prix des 5 continents, la franco-rwandaise Beata Meres, pour son œuvre « Tous tes enfants dispersés ». Je me permets de rappeler une belle phrase qui a été prononcée aujourd'hui par Kamel Daoud dans la table ronde de ce matin, où il disait « Lire Balzac en arabe, c'est aussi lire la francophonie. » Et du même coup, « Lire Beata Meres en arabe, c'est aussi lire la francophonie. » Sans plus tarder, comme Monsieur le Directeur Général l'a dit, je voudrais à mon tour féliciter et remercier chaleureusement, au nom de notre secrétaire général, le lauréat, Monsieur Richard Jacquemont. Merci Richard Jacquemont pour cette belle traduction, minutieuse, précise. Vous avez repris avec beaucoup de doigté vers la langue française, la langue de mon pays natal, avec l'Égypte, avec ses odeurs, avec ses coins, ses recoins, avec tout ce qu'elle comporte. Et vous avez su nous faire revivre, justement, faire revivre cette ambiance de l'Égypte post-nassérienne dans cette langue française qui nous unit et qui unit 88 États et gouvernements. Pour finir, je tiens à remercier les membres du jury, avec à leur tête la présidente Faïza El-Kossim, mais également tous les autres membres, Mme Zahida Derwish, M. Bassem Barake, Mme Haneh Sopri, M. Mohamed Mahgoub et bien entendu ma collaboratrice à l'OIF, Mme Claudia Pietri. Merci à tous et longue vie au prix Ibn Khaldoun Senghor. Merci, Madame la Directrice. Son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat et Ministre des Affaires culturelles par intérim, la parole est à vous. الدكتور محمد ولد عمر سيد مدير العام منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو سعادة السفراء بلدان صديقة وشديقة بتونس سيدة نيفين خالد مديرة اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي والفرنكوفوني بالمنظمة الدولية الفرنكوفونية سيدة فايز القاسم رئيس لجنة التحكيم سيد ريشار جاكمون الفائز بجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة للدورة الرابع عشر السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والإعلاميين السيدات والساعة الحضور الكرام يشرفني أن أكون معكم اليوم في الاحتفال بمنح جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة في دورتها الرابع عشر وأود بهذه المناسبة أن أتوجه إليكم ومن خلالكم بالشكر إلى كل القائمين على تنظيم هذه الجائزة وأن أشكر دعوتكم إلى وزارة الشؤون الثقافية
لتكون حاضرة بينكم في الاحتفاء بهذا الحدث الذي أصبح موعدا سنويا ينتظره المبدعون وأهل الاختصاص من المثقفين والأساتذة والباحثين المحترمين. أتمنى الطرف جميل. وأثناء الخاص للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وكل المؤسسات والشخصيات المساهمة والمشاركة في هذه الجائزة تنظيما وتحكيما ومساندة لما تبذله من دعم وجهود في التشجيع على الترجمة وتثمين ما يحمله هذا العلم من مقدار التميز والإضافة للمعرفة والفكر الإنساني، وهو موعد متجدد تذكر فيه من حملت هذه الجائزة اسمهما قامات كونيتان: العلامة عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع وعلم العمران البشري وأول من وضع أسسه، والذي كان سابقا في التوصل إلى نظريات حول قوانين العمران وبناء الدولة على أسس متينة، ثم السياسي والأديب والشاعر ليوبولد سيدار سانغور الذي قضى حياته مدافعا عن مجموعة من القيم الفكرية والاجتماعية والسياسية لدى شعوب إفريقيا والأقليات في عديد الدول وداعيا إلى الاهتمام بقضايا الإنسان في العالم. وإن هذه الاحتفالية لمناسبة أيضا للتأكيد على الدور الجوهري للترجمة في حياة الأمم والشعوب، فالترجمة ليست مجرد علم بل هي فن ينبع من داخل الإنسان، فن يتطلب مجهودا ودراسة وتحريا للدقة، فلا تقتصر قيمة المترجم على عدد المؤهلات التي يمتلكها أو الكلمات التي يعرفها بلغتين أو ثلاث أو أكثر، بل إن دوره أساسي في نقل أدبي مدروس ليس للأفكار والآراء فحسب، بل هي أيضا نقل الفن والمشاعر من النص المصدر إلى القارئ عبر الحدود الثقافية، ليكن المترجم بذلك وسيطا مبدعا في نقل الثقافة والحضارات والمعلومات وما إلى ذلك من لغة إلى أخرى، وجعل النص المصدر مفهوما لدى القارئ فيكون عنصرا فاعلا في إثراء فكرة الجماعية التي تتأسس عليها الكتابة بما تتضمنه من ذاكرة وتعبيرات. وتكون الترجمة عنصرا أساسيا في الثقافة بكل مجالاتها، تخدم وتستوعب جميع السمات الروحية والمادية والفكرية التي تميز المجتمعات، وتشمل الفنون والأداب وطرائق الحياة. والشكر أيضا للجان التحكيم المتعاقبة على هذه الجوائز التي ضمت خيرة الخبرة والأساتذة المقتدرين، وهو ما يعكس حرصكم على تكريس مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة والموضوعية في اختيار المتوجين. ولعل تلك هي عناوين نجاح هذا الموعد الثقافي الأدبي واستمراريته وإشعاعه. هنيئا لكل الفائزين والمتسابقين والمشاركين، وشكرا مجددا لكم جميعا، والسلام. Un prix d'envergure ne peut pas s'envisager sans un jury prestigieux. C'est la raison pour laquelle j'invite Madame Faisal Qassem, présidente du jury du prix Ibn Khaldun Senghor. Madame Qassem, que vous avez eu l'occasion d'écouter lors de la table ronde sur la traduction qui s'est déroulée juste avant cette cérémonie. Madame Al-Qassem, la parole est à vous. سأقول بعض الكلمات باللغة العربية بداية. لمن دواعي السرور أن نلتقي مجدداً حضورياً في تونس الحبيبة بعد مرور أيام عصيبة
طالت دول العالم قاطبة. أريد هنا أن أقدم تحية شكر وتقدير لمعالي الوزير، للسيد محمد ولد عمار المدير العام للأليكسو، والسيدة نيفين يوسف مديرة اللغة الفرنسية وتنوع الثقافات الفرنكفونية في المنظمة الدولية للفرنكفونية، والسيدة كلوديا بيتري أخصائية برامج التنوع اللغوي في المنظمة، والسيدة إيلاف سلامة منسقة جائزة الترجمة في الأليكسو لدعمهم المستمر لجائزة ابن خلدون سنغور التي تحتفي بترجمة الأعمال الأدبية وأعمال العلوم الإنسانية والاجتماعية بين اللغتين العربية والفرنسية، حارصة على نقل المعارف العلمية وتعريف القارئ على أساليب سردية مبتكرة. أود أيضاً أن أشكر زملائي أعضاء اللجنة جميعاً للجهود التي يبذلونها والنقاشات الثرية التي تدور بيننا لانتقاء الأفضل. Depuis 2018, le prix de la Ibn Khaldoun Senghor est devenu prix de la traduction littéraire et en sciences humaines et sociales. Pour cette 14e édition 2021, 18 romans étaient en lice, ainsi que 9 ouvrages de sciences humaines et sociales. Des maisons d'édition du Golfe et de Jordanie concouraient pour la première fois. Preuve, s'il en est, de la notoriété du prix, qui reste l'un des rares à promouvoir la diversité culturelle et linguistique dans les sciences humaines et sociales et dans l'expression de la pensée scientifique, d'une part, et à faire connaître des œuvres littéraires exigeantes dans les espaces francophones et arabophones. Le choix du jury pour cette 14e édition 2021 s'est porté sur la traduction par Richard Jacquemont du livre de la romancière et poétesse égyptienne, professeure de littérature arabe au Canada, Iman Mersal, intitulé « Sur les traces d'Inayat Zayat » paru à Actes Sud en 2021. Richard Jacquemont est la voix française des plus grands auteurs égyptiens et le traducteur attitré d'un des principaux écrivains égyptiens, Sun'al Ibrahim, dont il a traduit 8 ouvrages. Connaisseur de l'Égypte et maîtrisant parfaitement le dialecte égyptien, il y a animé un programme de traduction vers l'arabe de 1988 à 1995. En tant qu'enseignant-chercheur, il s'intéresse à l'histoire et la sociologie de la littérature arabe moderne et des échanges traductionnels entre l'arabe et les autres langues. On dit souvent qu'une traduction réussie est celle qui nous dispense de la lecture de l'original, ou qu'une traduction est un texte original en lui-même. C'est là une conception de la traduction qui ne serait pas une simple reproduction, mais une production à part entière, respectueuse du sujet traducteur. En somme, traduire, c'est réécrire. La traduction soulève la question de la restitution, dans une langue-culture donnée, d'une forme et d'un mode de représentation particulier à une autre culture. La langue arabe voit le monde à sa façon. La française à la sienne, mais c'est le même monde vu selon des angles différents. Et comme dirait Beata Mérès, posséder complètement deux langues, c'est habiter deux mondes parallèles, riches chacun de trésors insoupçonnés des autres, mais aussi c'est constamment habiter une frontière. On pourrait dire tout cela à propos de la traduction de Richard Jacquemont, qui s'est attaqué à un roman complexe et inventif sur le plan formel,
car caractérisée par une diffraction narrative et textuelle qui oblige à une lecture abordant des formes peu communes, qui empruntent à la fois au récit romanesque, au journalisme d'investigation, à la recherche scientifique et à l'autobiographie. Cette diversité formelle s'accompagne d'une diversité des registres de langue que le traducteur a réussi à restituer avec brio. Partir sur les traces d'Inayat Zayat, c'est aussi s'embarquer pour redécouvrir l'Égypte de l'époque de Nasser, où le pouvoir politique et le patronage littéraire pouvaient, en somme, rayer des archives publiques les personnes qui ne sont pas conformes au mainstream, de sorte que, sur les traces d'Inayat al-Zayat, pourrait devenir sur les traces des personnes vouées à disparaître. Et c'est précisément la multiplication des fils narratifs de cette enquête qui explique cette linéarité empêchée. C'est le mérite du traducteur d'avoir su mener son lecteur à travers les méandres d'une enquête où se mêle l'histoire collective à l'histoire individuelle. Sans plus tarder, je crois que je dois inviter Richard Jacquemont à prendre la parole. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, je m'excuse de passer les titres et tout, j'aurais trop peur d'en oublier. Sayyidati Zumala Zamilat Al-Aiza. Je suis très ému et très honoré de recevoir ce prix de traduction Ibn Khaldoun Senghor. Pour moi qui traduis de l'arabe depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, avec plus d'une vingtaine de livres publiés, c'est la plus belle reconnaissance de mon travail dont je puisse rêver. D'abord parce qu'il m'est décerné par deux organisations internationales majeures dans le domaine de la francophonie d'une part et de la pensée et de la culture arabe d'autre part, et qui ont fait appel pour cela à un jury de collègues émérites, praticiens et spécialistes de ces questions de traduction de et vers l'arabe. Et ensuite, parce qu'il m'est décerné pour ce livre de Iman Mersal, sur les traces d'Inayat Zayat, qui est une œuvre très originale, à la fois enquête biographique et historique, et récit intime de la rencontre spirituelle entre deux femmes, deux écrivaines, deux femmes d'Égypte qui ne se sont pas connues, puisque Inayat est morte en 1963, trois ans avant la naissance d'Iman Mersal. Iman Mersal dit à propos de ce livre qu'elle n'a pas cherché à réhabiliter une écrivaine oubliée, mais plutôt, en enquêtant sur les raisons de cet oubli, à remettre la marge au centre. C'est sa formule. Et il y a magnifiquement réussi, puisque ce livre a été extrêmement bien accueilli par la critique et le public arabe dès sa sortie en novembre 2019, et qu'il a obtenu une des récompenses les plus recherchées du monde arabe, le prix du Cheikh Zayed dans son édition 2021, annonce qui a été faite en avril dernier, au même moment où sortait ma traduction. Dans les milieux littéraires arabes, on critique souvent les choix de traduction littéraire de l'arabe vers les langues occidentales, qui seraient orientées davantage vers les goûts et les attentes des publics étrangers, et de ce fait, seraient plus conformes au canon littéraire occidental qu'au canon arabe. L'exemple de ce livre, primé dans sa version originale et dans sa traduction française, et très vite traduit, montre que ce n'est pas une fatalité, et qu'il peut y avoir une belle congruence entre le canon littéraire arabe et la traduction.
Et donc, je voudrais reprendre à mon compte la formule d'Imane, remettre la marge au centre, parce qu'elle vaut pas seulement pour ce qu'elle a fait avec ce personnage de Inayat Zayat, son œuvre et sa personne, mais aussi pour la traduction. Traduire « Fi'athar Inayat Zayat » en français, c'est aussi, de diverses manières, remettre la marge au centre, par tout ce que ce livre nous dit de la culture et de la société égyptienne contemporaine, mais aussi par cette écriture très originale, donc comme on l'a dit, qui emprunte à tous les genres, la biographie, la critique et l'histoire littéraire, l'autobiographie, la poésie, la fiction romanesque. Et c'était aussi donc le défi de cette traduction, de rendre en français toutes ces langues diverses, ces voix diverses aussi, puisque Imane Messal cite abondamment dans son livre l'écrivaine Inayat Zayat, et aussi d'autres écrivains, journalistes et critiques égyptiens des années 60-70. Alors ce prix, Ibn Khaldoun Senghor, au départ, donc, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, avait fait le choix de privilégier, pour ce qui concerne la traduction vers le français, les traductions d'ouvrages de sciences humaines. Ce qui était un pari, je crois, légitime, mais aussi risqué, parce que il visait à mettre en valeur l'aspect le moins visible et le plus marginalisé dans l'espace culturel international des écritures arabes contemporaines. Parce qu'on traduit vers le français un certain nombre de romans, de recueils de poésie arabe, mais très très peu d'essais, très peu de sciences humaines et sociales. Je me souviens de cette réflexion du sociologue tunisien Tahr Labib à l'occasion d'une de ses nombreuses réunions sur la traduction de et vers l'arabe, auquel il m'a été donné de participer, et qui disait que si on jugeait la production arabe contemporaine à l'aune de ce qui se traduit en français ou dans les autres grandes langues européennes, ce serait la même chose. On pourrait croire que les Arabes ne pensent pas, ou qu'ils ne pensent plus, qu'ils ne sont bons qu'à raconter des histoires ou à faire de la poésie. Depuis 2018, donc, ce prix Ibn Khaldoun Senghor récompense aussi les traductions littéraires, mais en l'occurrence, ce n'est pas vraiment une traduction littéraire qu'il récompense, c'est tout autant une traduction de sciences humaines et sociales, je pense. C'est l'œuvre d'une écrivaine qui est certes d'abord connue comme poétesse, mais qui, ici, donne un livre qui relève autant, sinon plus, de la pensée que cher à Tahr Labib, que de la littérature. Une œuvre de Adab, au sens le plus ancien et le plus fort du mot. Donc, pour conclure, je renouvelle mes remerciements à l'OIF et à l'OLEXO qui, par ce prix, œuvre à remettre au centre et à donner une forme de visibilité à une activité, à un art, la traduction, qui est trop souvent, par nature, à la marge et trop souvent invisible. Et si vous me permettez, je le dédie à cette armée de l'ombre que sont tous les traducteurs de l'arabe vers l'arabe et même aux traducteurs du monde entier. Je vous remercie. Merci Richard Jacquemont de nous faire découvrir par le biais de votre traduction un livre passionnant pour ses aspects sociologiques et policiers, entre guillemets, mais aussi une plume immense, un talent immense, celui d'Imane Messal, dont je vous propose de découvrir maintenant l'univers littéraire à travers la voix d'une autre femme écrivaine, universitaire, chanteuse, parolière, franco-tunisienne, qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Wafa Ghourbal, qui est... donc après le prix, c'est ça. Après la distribution, désolé. Okay.
Donc je disais qu'il s'agit de Wafa Ghorbal, qui est accompagnée de Hicham Kattari, compositeur, interprète et violoniste oudiste tunisien. Wafa Ghorbal nous propose donc dans un premier temps une lecture en arabe et en français de deux extraits issus de l'ouvrage Sur les traces d'Inayat Zayat d'Iman Mersal, dans la traduction de Richard Jacquemont. Écoutons-la. Je félicite l'heureux lauréat de cette session, Ibn Khaldoun Senghor, et je vais vous lire pour commencer un extrait de l'œuvre qui a été primée, d'abord dans sa version originelle, donc Fi Athar Inayat Zayat, et ensuite la version traduite. في أثر عنايات زيات للكاتبة المصرية إيمان مرسال دونك ترجمها إلى الفرنسية الأستاذ ريشار جاكمو. تزوجت دون حب، دون تفاهم، دون انسجام. لم تفكر في شيء من هذا. كان هدفها أن تترك المدرسة بكل تزمتها ومحدودياتها. أقفلت جنة طفولتي لتفتح باب الشباب مبكراً، بل باب الكهولة المبكرة، وأخطأت الباب وفتحت آخر يطل على صحراء قاحلة حتى السراب لم يكن فيها، ونظرت خلفها ورأت الباب قد أوصد بل تلاشى، ولم تر طريقا للعودة، وحارت وبكت وبكت في يأس وضياع، ثم صبرت وصبرت واكتشفت في نفسها جلدا عجيبا، بل رأت أنها كجمل اشترى كل اللحظات السعيدة الماضية وراح يأكلها بتأن وسط تلك الصحراء العاتية. ثم خلص الزاد، زاد الماضي، وأصبحت بحاجة إلى شيء جديد تشتره، فلم تجد إلا يأسا أصفر بلون الرمال. Je vais vous lire l'extrait traduit donc par le lauréat monsieur Richard Jacquemont. Elle s'est mariée sans amour, sans entente mutuelle, sans harmonie. Elle n'a pensé à rien de tout cela. Son objectif était de quitter l'école, tout son rigorisme et toute sa médiocrité. Elle a refermé le paradis précoce de l'enfance pour ouvrir trop tôt la porte de la jeunesse, ou plutôt la porte de l'âge adulte précoce. Mais elle s'est trompée de porte. Elle en a ouvert une autre qui donnait sur un désert aride, où il n'y a même pas de mirage. Elle a regardé derrière elle et elle a vu que la porte s'était refermée, avait même disparu. Elle n'a pas vu le chemin du retour. Désemparée, elle a pleuré de désespoir, perdue. Mais elle a enduré et enduré. Elle a découvert en elle une force d'âme prodigieuse. Elle s'est vue comme un chameau qui aurait emmagasiné tous les moments heureux, passés, et les ruminerait tout doucement au milieu de ce désert hostile. Et puis, les provisions se sont épuisées. Les provisions du passé, elle a eu besoin de quelque chose de nouveau à ruminer. Mais elle n'a rien trouvé qu'un désespoir aussi jaune que le sable. Je vais vous lire un extrait de « Tous les enfants dispersés » de Beata Oumou Beyi, maîtresse. Donc je vais le lire d'abord en français dans sa version originelle, et ensuite je vais lire la traduction des deux lauréats de Ibn Khaldoun Senghor 2020, donc Younes Zouin et Abdelhaq Betekmenti. Quand le père et la mère ne partagent pas la même langue maternelle, laquelle l'emporte? Blanche n'a goûté à la langue de sa mère que par accident, faute de mieux. Immaculata n'avait pas envisagé cela. Pour libérer sa fille de son africanité, elle lui tressa une échelle de mots bien blancs. Dès sa naissance,
elle plongea sa fille dans un bain de français, ne se laissant jamais aller au moindre écart indigène. Le père, qui n'avait jamais maîtrisé aucune autre langue que celle de Marianne, et le regrettait, lui suggérait pourtant de lui donner les clés du parler local. Fais-lui entendre le Kinyarwanda. Elle va grandir ici, et qui sait, peut-être un jour s'y marier. Sa langue maternelle, elle, était sa colonne vertébrale, celle dans laquelle s'exprimaient les chagrins, se taisaient les secrets, celle pour vivre l'ambiance des dimanches enflammés et de la grande rue de Butard, quand l'équipe de foot Mukura avait gagné, pour se fâcher avec Bosco ou se faire engueuler par leur mère. Posséder complètement deux langues, c'est être hybride, porter en soi deux âmes, chacune drapée dans une étole de mots entrelacés, vêtements à revêtir en fonction du contexte et dont la coupe délimite l'étendue des sentiments à exprimer. Habiter deux mondes parallèles, riches chacun de trésors insoupçonnés des autres, mais aussi constamment habiter une frontière. كل أطفالك مشتتون. فحينما لا يتقاسم الأب والأم اللغة نفسها لمن تكون الغلبة؟ لم تتذوق بلانش لغة أمها إلا مصادفة لعدم توفر الأفضل، ولم تكن إيماكولاتا لتفكر في هذا، فلتحرير ابنتها من طابعها الإفريقي جدلت لها ظفيرة من كلمات بيضاء بحق، ثم عملت على غطسها منذ ولادتها في حمام الفرنسية دون أن تدعها أبدا لتذهب مذهبا محليا مقترفة أخطاء لغوية. أما الأب الذي لم يتقن أي لغة أخرى إلا لغة ماريان وهو يتحسر على ذلك، فقد اقترح عليها أن تهبها مفاتيح اللغة المحلية. أسمعيها اللغة الكينية الرواندية، ستكبر هنا، من يعرف، لربما تزوجت يوما ما هنا. أما لغتها الأم فكانت عمودها الفقري، تلك التي تعبر بها عن الأحزان وتخفي فيها الأسرار وتعيش بها الأجواء الملتهبة لأيام الأحد في شارع بوتار الكبير كلما فاز فريق مكورة لكرة القدم، تلك التي تتشاجر بها مع بوسكو أو تستقبل بها شتائم أمها. أن تتمكن بشكل كامل من لغتين يعني أن تكون هجيناً، أن تحمل في ذاتك روحين، كل واحدة منهما مدثرة بدثار من كلمات متعالقة، لباس ينبغي ارتداؤه كلما اقتضى ذلك السياق، هو الذي تعين تفصيله حدود المشاعر الذي يجب التعبير عنها، أن تسكن عالمين متوازيين زاخرين كليهما بكنوز الآخرين غير المتوقعة، لكن كذلك أن تسكن حدا من الحدود بشكل دائم. On peut passer à la musique. Donc, Hichem Khtari. Thank you.
Thank you.
وانشغلت علي وانشغلت علي حن قلبي إليك وانشغلت علي وانشغلت علي حن قلبي إليك وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده chanter,
je dois préciser en fait qu'elle fait partie de tout un projet, mon projet qui s'appelle Métissage et qui est constitué de chansons, une heure et quart, de programmes, de chansons françaises à texte que je traduis moi-même en arabe. Et ça tombe bien avec la thématique donc, d'Ibn Khaldoun Senghor. Et donc c'est pour ça que je vais vous la chanter pour clôturer la soirée, puisqu'apparemment il faut y aller. Voilà. Donc, La vie en rose. عيني اللي الذوب في عيني وضحكت اللي تنور لي الدنيا روحي اللي عمري كله لي ما ننسى خياله ولا ثنيا كيف ياخذني بنديه وتناجيني عيني نشوف الدنيا وردي جنح بي ساكن قلبي وعيني كيف الحلم فيا خلاني وهبت حياتي هو لي وانا لي مهما طال حلف لي وعهدني مهما طال قلبي عشق وغرام سعادة ما يوصفها شكلا في خيالنا شيدنا أحلام غزرنا الماضي غزرنا القدام Quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en rose quelque chose il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause c'est lui pour moi moi pour lui dans la vie il me l'a dit m'a juré pour la vie Yeah.